La forme de la passion, évidemment, fait référence à toute une tradition. Très peu de compositeurs qui reprennent cette forme-là. C'est une folle idée, je dirais. Passion, c'est toujours un monument. Il y a des passions très courtes. Hein. Évidemment, tout le monde connaît les passions de Bach. Un sujet très fort en l'histoire du christianisme, un sujet théâtral. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit un oratorio, un opéra, une passion. C'est presque devenu une forme, entre guillemets. Ça va être une passion un petit peu spéciale, puisque ce n'est pas selon un saint quelconque, mais vraiment à travers Marie, à travers la mère de Christ. Et en plus, la charge symbolique de la langue choisie va certainement rajouter une dimension spirituelle très, très forte. Je pense que cette œuvre-là, elle va être très particulière parce qu'elle va être écrite pour des instruments anciens. On est dans de la création contemporaine, donc on a envie de créer des univers sonores nouveaux. Ces instrumentistes qui jouent du théorbe, qui jouent de la sacboute, qui jouent du cornet, la musique qu'ils font quotidiennement avec, sur laquelle ils ont choisi de travailler à fond avec Concerto Soave, donc qui est la musique du début du XVIIe siècle, ils ont totalement une notion de musique moderne dans leur tête. Ce sont des gens qui ont pratiqué la musique dès la Renaissance, qui ont une grande science justement de toute la spécificité de cette époque qui est un éclatement total de la musique. Au début du XVIIe siècle, on a vraiment envie d'explorer les possibilités sonores de l'instrument. On invente des modes de jeu aussi, nouveaux. Connaissant Zanmutaka et l'œuvre de Zanmutaka, on sent que c'est quelqu'un qui vraiment à cœur de valoriser la dimension artistique de l'interprète. Maria Cristina est ce qu'on peut appeler réellement une interprète, c'est une artiste, et qui a très souvent eu pour mission musicale et artistique d'incarner que ce soit Marie ou Marie-Madeleine, donc ces femmes qui ont entouré le Christ dans des heures les plus douloureuses. C'est un compositeur avec qui on s'est inscrit dans une fidélité mutuelle, je crois. Il nous a tout de suite touchés. Et puis au fur et à mesure de notre collaboration, je pense qu'il nous a amenés sur des terrains qu'on ne soupçonnait peut-être pas aborder. Et ça, c'est évidemment passionnant dans le cadre de la création. Et dans le cas présent, c'est d'autant plus intéressant quand on sait que le compositeur écrit pour un ensemble qu'il connaît très bien, avec des individualités qu'il connaît parfaitement. De nos jours, un interprète est inscrit dans un contexte historique, un contexte aussi bien défini de création. Donc il est important de participer aussi à l'aventure artistique qui est celle de son époque. Parce qu'on se dit, voilà, peut-être qu'on va faire partie de la création d'une des premières œuvres clés du XXIe siècle. Donc ça, c'est toujours assez excitant.